الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. الله عز وجل في القرآن nous dit: voici un rappel béni, mubarak, plein de baraka. Et la traduction de baraka, on traduit par bénédiction, mais ça veut dire beaucoup de bienfaits, des bienfaits en abondance. C'est un livre qui contient pour vous des bienfaits en abondance. Allah Azza wa Jalla dit, pourquoi le reniez-vous? Vous reniez que mon livre est rempli de bienfaits et d'abondance pour votre vie? Qu'est-ce qu'il veut dire par on le renie? Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla le dit explicitement. Voulez-vous autre chose que ma parole? Voulez-vous autre chose que ma religion? C'est-à-dire dans votre quotidien, vous choisissez autre chose que ma religion. Alors que les cieux et la terre, eux, se sont soumis à ma volonté. Parce que la religion, c'est la volonté d'Allah. C'est ce qu'Allah veut de nous. Comment on doit vivre? Comment on doit bouger? C'est la direction. C'est la direction. Et cette direction, elle a une destination. Allah Azza wa Jalla dit, vous voulez autre chose que ma religion, que ma volonté. Alors que, aslama man fis samawati wal ard. C'est-à-dire que l'univers tout entier, lui, s'est soumis à ma volonté. Et à partir de là, on s'arrête et on dit, toute chose créée par Allah bouge selon sa volonté. Tout. Le soleil, la lune, dans le cosmos, les arbres, toute chose qui bouge, toute chose vivante qui bouge, bouge selon la volonté d'Allah. C'est-à-dire toute chose qui bouge, elle a été créée dans un but. Elle bouge en accord avec ce pourquoi elle a été créée. Elle fait ce pour quoi elle a été créée. Toute chose créée, elle fait ce pour quoi elle a été créée. Toute chose. Et Allah Azza wa Jalla dit, toute chose est soumise à ma volonté. Fait ce pour quoi elle a été créée, et vous voulez autre chose que ce que je veux pour vous. Dans un autre verset, toujours en parlant de ce livre, de ce rappel, Allah Azza wa Jalla nous dit, Kitabun, cette religion c'est un livre qui est descendu. Anzalnahu. Mubarak, plein de baraka, plein de bénédictions. Et il nous dit la finalité. Pourquoi je l'ai fait descendre? Liyadabbaru ayati. Afin qu'on puisse en saisir le sens. Tadabbur, c'est méditer pour saisir le sens. C'est-à-dire, le pourquoi de la révélation, c'est pour qu'on puisse, nous tous, comprendre, saisir le sens de notre existence. Waliyatadakkar. Et après, de ne plus oublier ce qu'on a saisi comme sens. Yatadakkar, dhikr, c'est quoi? C'est après ne plus oublier. Une fois qu'on a compris, on doit... Les ulama disent, yatadakkar, c'est... le sens, il est toujours en notre compagnie. Quand on bouge, il est toujours en notre compagnie. Il est toujours présent. Il y a toujours cette présence d'esprit. Le sens, il est toujours présent. Il est toujours avec nous, en notre compagnie. Et c'est qui? Ceux qui ont, à la fin, saisi le sens et qui ont... Et ils le gardent à l'esprit, toujours en leur compagnie. Allah, il les appelait Ulul Albab, les doués d'intelligence. Et donc, c'est quoi le fruit de la compréhension du livre? Et c'est quoi le fruit de Tadakkur? C'est le suivre. Dans un autre verset, donc il dit, Kitabun anzallahu mubarakun, fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Si, suivez-le, une fois que vous avez compris, et vous gardez à l'esprit ce que vous avez compris, suivez-le donc. Wattaqo, et craignez donc les mises en garde du livre, prenez en compte les mises en garde du livre, afin de toujours être sous la miséricorde d'Allah, la'allakum turhamun. C'est-à-dire le livre il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours être sous l'ombre de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, pour être constamment touché par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et n'allez pas là où la miséricorde d'Allah Azza wa Jal n'est pas. Tout ça, Allah Azza wa Jal nous dit que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est dans notre intérêt, c'est utile et c'est béni, il y a de la miséricorde. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous interdit, mafasid,
C'est nuisible pour notre corps, pour notre cœur, pour nous, pour ceux qui sont avec nous. Et Allah il nous dit, redoutez, craignez ces choses, abstenez-vous de ces choses, afin de rester dans ma miséricorde. Donc Allah nous dit, ma miséricorde, elle touche et elle embrasse, elle touche toutes choses. Mais je la réserverai à ceux qui vont suivre le chemin de la piété, et qui vont s'acquitter de l'aumône, et qui vont avoir certitude sur nos signes. C'est qui ces gens-là ? Alladhina yattabi'un, ceux qui suivent An-Nabi al-Ummi. Ce prophète, il est très. Donc si l'univers entier bouge selon la volonté d'Allah, et nous, on revient à la finalité du livre, c'est-à-dire qu'on doit comprendre le livre, et après on doit garder à l'esprit constamment ce que nous rappelle le livre, on va vivre en harmonie avec l'univers. Parce que l'univers ne bouge que selon la volonté d'Allah. Si nous, à notre tour, on vit selon la volonté d'Allah, après, il y a quoi ? Il y a cette cohérence. L'univers, Aslama s'est soumis. Nous, nous sommes aussi soumis à la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Et là, on fait comme l'univers. On vit selon la volonté d'Allah. Et on est comme Allah, Azza wa Jal, veut. L'univers fait ce que pourquoi il a été créé. Et à notre tour, en suivant le livre, on va vivre comme Allah Azza wa Jal a voulu pour nous, on va faire ce pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créé. Et ça, c'est la finalité du livre. Ça revient donc à Al-Fahm. وَلِهَذَا أُسِّسَ الْقُرْآنَ عَلَى كَلِمَةِ إِقْرَأ أَوْلْ آيَا أَوْلْ كَلْمَا إِقْرَأ لِيَنَّ الْإِقْرَأَ وَسِيلَةٌ لِلْفَهْمِ. C'est pour ça que toute la religion a été fondée sur le premier mot révélé qui est lit. Lit. Parce que le seul moyen de comprendre, c'est de lire. Le seul moyen de comprendre, c'est de lire. Et la mission du prophète, c'était de lire. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina. Sa mission, il l'a envoyé pour qu'il nous récite la parole de Dieu. Et nous, le moyen de comprendre, c'est de lire. C'est pour ça que le prophète, il a dit, les prophètes, avant lui, ainsi que lui, n'ont pas laissé pour l'humanité d'héritage, n'ont pas laissé comme héritage de l'or et de l'argent. Leur héritage, c'était le savoir révélé, l'ilm. Et celui qui prend cet héritage a pris une énorme chose. Pourquoi ? Parce que cet héritage, c'est quoi ? C'est le chemin du paradis. Le prophète en Samuel dit, celui qui va à la recherche de ce savoir, de cet héritage, celui qui va sur le chemin du savoir, afin de cueillir cet héritage, sahal Allah, Allah lui facilitera, par cette science, par cet héritage, le chemin vers le paradis. Donc, il reste à rappeler que le Coran nous a aussi dit c'est quoi l'obstacle de comprendre le livre. Il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui, on va l'utiliser comme un virus. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui fait que quand le Coran est devant nous, la lumière du Coran ne nous pénètre pas, la compréhension voulue. Et qu'est-ce qui prouve la compréhension voulue ? C'est qu'après il reste. Vous savez, la lumière du Coran, quand elle est comprise, on ne peut plus l'oublier. Elle est là constamment. Elle devient comme nos yeux. On voit en permanence, n'est-ce pas ? Eh bien, la lumière du Coran nous permet de voir en permanence ce qu'Allah veut de nous. Et ce qu'Allah a interdit, et on s'abstient. Donc pour avoir cette lumière permanente, c'est la vraie compréhension. Si elle est absente et qu'Allah nous pardonne, que ce dhikr demandé, qui est le fruit de la compréhension, pourquoi on ne l'a pas ? Parce qu'il y a un cadenas sur nos cœurs. Le Coran, il dit, « Afala yatadabbaruna al-Qur'an, am, en arabe, am, ça veut dire, c'est où le sens, il est en permanence là, où ton cœur, il a des cadenas. En arabe, am, c'est l'une ou l'autre. C'est où ce qui est cité est permanent en toi, la lumière de cette vérité est constamment avec toi, elle est en ta compagnie, si elle est absente, c'est qu'il y a un cadenas sur le cœur. Et c'est quoi ce cadenas ? Le Coran s'explique de lui-même. Allah Azza wa Jal dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Qu'est-ce qui enveloppe nos cœurs ? Ce que nous faisons de nos propres mains, c'est-à-dire les péchés. Et dans le Coran, Allah il parle de ça. Il dit pour qu'Allah nous apprenne la vérité, pour qu'Allah nous donne cette compréhension et cette lumière, il nous dit « Craignez-moi ». Wattaqullah, ça veut dire craignez-moi, ça veut dire abstenez-vous de la désobéissance, des péchés. Wa yu'allimukum Allah, et Allah vous donnera la lumière de la compréhension du livre.
il vous donnera cette vérité, comme il l'a donnée aux prophètes. Vous savez, la prophétie, ils ont été élus, ils ont été choisis de par leur pureté. Si tu veux recevoir cet héritage prophétique, faut que le récipient soit aussi pur. Tu dois préserver la pureté de ton cœur pour que la lumière d'Allah s'y installe. Mais si toi tu le remplis et tu le souilles par tes péchés, et en plus tu veux la lumière d'Allah, le cœur ne peut pas recevoir les deux. Il ne peut pas recevoir l'obscurité des péchés et la lumière divine. On a un seul récipient, c'est le cœur. Allah a dit, il faut nettoyer le cœur en s'abstenant des interdits, et je le remplirai de cette connaissance et de cet héritage prophétique. Et c'est pour ça qu'Allah nous pardonne. Parce que notre compréhension est limitée parce que nos péchés sont abondants, sont beaucoup. Et donc c'est un rappel pour chacun et chacune d'entre nous de se repentir et de revenir sur ce chemin. Le chemin du paradis, c'est la compréhension du livre. La compréhension du livre, c'est s'abstenir des péchés. Parce que tu ne peux pas être pécheur et finir au paradis. Tu ne peux pas être pécheur et finir au paradis. Il faut t'abstenir des péchés pour finir au paradis. Et quand tu t'abstiens des péchés, Allah te donne ce dessin qui est le chemin du paradis. Allah, il te le dessine. Et ce dessin, comme une carte, elle est dans ta tête, elle est dans ton cœur, elle est constamment là. Et tu as juste à suivre ce qu'Allah a mis en permanence dans ton esprit et dans ton cœur pour, Inch'Allah, atteindre la destination voulue. Fabarakallahu fikoum. Hadi tadhkira. في هذا الطريق اللي كتبدا من ترك الذنوب c'est pour ça l'imam Shafi'i c'est un rappel pour dire que le chemin du savoir c'est s'abstenir des péchés. L'imam Shafi'i s'est plaint à son cheikh Al-Waqi', il lui a dit j'arrive pas à retenir alors qu'ils apprenaient le Coran, ils apprenaient la religion, j'arrive pas à retenir. Je commence à oublier. Il lui a dit l'oubli vient d'où? Parce que la lumière d'Allah, elle, tu peux pas l'oublier. Mais si tu l'oublies, il lui a dit arrête de faire des péchés. Regarde, remets-toi en question. Il y a des péchés. Fa'awsani bi tarki al-ma'asi. Il m'a exhorté, il m'a dit attention, regarde si tu fais des péchés. Parce que la lumière d'Allah, parce que la science révélée, c'est une lumière. Et cette lumière ne rentre pas dans un cœur pécheur. Un cœur qui fait des péchés.